Bienvenue, Hicham Etienne Alaoui. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes CEO DG de Euler Hermes Acmar, Alliance Trade, spécialisé dans l'assurance crédit entreprise. Tout à fait. Donc on va balayer avec vous ces enjeux, défis, cette réalité, ce contexte économique de cette rentrée. On va démarrer avec cette inflation, qui est, même s'il y a une décélération depuis quelques semaines. Donc il y a peut-être une menace aussi de rebond de l'inflation et l'analyse globale que vous faites de la situation et de ce qui pourrait se produire, en tout cas, est-ce que rebond ou pas de l'inflation avec ses conséquences et ses impacts. On a vu 5 hausses successives des prix des carburants au mois d'août et on ne serait pas à l'abri, en tout cas, de nouveaux rebonds des prix. Ensuite, la hausse du SMIC. Nous avons reçu ici même l'info en face Matin TV, Jacques-Yves Lalleuge, le patron des patrons, président de la CGM, qui dit que c'est une mauvaise nouvelle pour la compétitivité. Donc, bonne nouvelle pour les salariés et mauvaise nouvelle pour les employeurs, vous me direz aussi par rapport à cette hausse du SMIC. Et enfin, le projet de loi de finances 2024, note de cadrage. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà, ce qu'avait laissé sous-entendre d'ailleurs Fauzi Larjah en juillet, revoir à la baisse les prévisions de ce qui avait été annoncé? Là aussi, vous nous donnerez votre point de vue analytique. Hicham Etienne Alaoui, sur cette reprise, cette rentrée économique, vous la percevez comment? Entre celles et ceux qui aujourd'hui vivent extrêmement mal la hausse des prix des carburants, et on sait l'effet domino que ça a sur les produits, essentiellement les produits alimentaires. Ah, pour moi, la rentrée économique, de manière générale, est un peu atone. Et c'est plutôt peut-être là où je chercherai ma plus grande déception. En tant qu'opérateur économique de faible envergure, très modestement, j'attendrai pour ma part que ça bouge un peu plus sur un certain nombre de sujets, qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises pour qu'on puisse trancher un certain nombre de débats et qu'on puisse aller de l'avant. C'est peut-être aussi la principale caractéristique de cette rentrée économique, c'est qu'on n'a pas réellement le ressenti d'une vraie rentrée, une effervescence, comme le vivrait par exemple un étudiant ou un salarié qui reprend son activité. On est un petit peu trop dans une espèce de train-train. On attend réellement, moi pour ma part, j'attends 3, 4, 5, 6 mesures économiques phares qui nous permettrait peut-être de relancer la machine qui en a grandement besoin. Donc en fait, vous considérez que c'est une rentrée aujourd'hui qui est rentrée économique qui est atone, molle. En fait, il n'y a pas de... Et comme vous dites, moi j'aurais attendu et j'aurais espéré des décisions fortes, avec des mesures économiques fortes annoncées. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'attends par là très basiquement, si je dois faire une revue de presse matinale, comme je l'ai fait, qu'on lise par exemple votre quotidien, mais aussi d'autres, que j'ai une avec des titres clinquants, avec des mesures phares. Et ce que nous avons aujourd'hui, nous sommes en mesure de synthétiser peut-être 5-6 événements phares qui ont eu lieu au cours des 6 derniers mois, j'en suis pas tellement sûr. Je pense que nous sommes dans une configuration, on dit, le Maroc a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts, c'est une économie qui n'est pas bien grande, mais c'est une économie diversifiée, une économie structurée, une économie ouverte sur le monde, sans qu'elle soit ultra dépendante, tout ceci est connu. Mais je pense qu'au bout d'un moment, lorsque nous atteignons une espèce de plafond de verre en termes de croissance, qui est très connu, nous avons une croissance de l'ordre de 3% pour arrondir les bonnes années, les mauvaises années, c'est-à-dire les années de mauvaise facture pluviométrique, c'est divisé par 2 parce que le PIB agricole pèse pour 50% de la croissance. C'est des notions qui commencent à être non seulement connues, mais un peu rébarbatives, un peu redondantes pour le commun des mortels. Je pense qu'il faut peut-être un souffle nouveau avec 2-3 mesures qui permettraient de relancer réellement une économie qui tendrait vers 6-7% de croissance. Je sais que vous ne faites pas de politique, il n'y a pas de parti pris politique. Absolument pas. Mais certains disent qu'effectivement, peut-être que le temps est venu, il y a cette rumeur de remaniement ministériel pour donner un nouveau souffle. Est-ce que pour vous, ça passerait par un nouveau casting politique ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que je ne pense pas que ce soit un débat de personne. Ce n'est même pas un débat de parti. Je pense qu'il ne faut pas faire un faux procès aux partis politiques, ni un faux procès même à l'économie marocaine. L'économie marocaine est connue. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Notre base touristique, si je peux m'exprimer ainsi assez trivialement, est connue. Notre base de Marocains du monde, qui joue le jeu à un niveau exceptionnel, en continuant à collaborer et à coopérer à la grandeur de l'économie marocaine. Nous avons de l'offshoring dans la zone du Nord. Nous avons une politique de grands travaux qui commence à se poursuivre aujourd'hui avec des ports d'Arla, d'Asfid, d'Ayoun, etc. L'économie marocaine est connue. Ce n'est pas un sujet de personne, ce n'est pas un sujet de parti. Je pense que c'est un sujet, comme ça a été si bien explicité auparavant, de nouveaux modèles de développement. Je pense qu'il est temps de mettre en œuvre le nouveau modèle de développement que Sa Majesté a appelé de ses voeux, pour lequel Sa Majesté a eu un débrief complet. Je pense qu'il est temps maintenant, pour nous, à commencer par nous, opérateurs économiques. Le timing est venu en fait pour mettre en route, en tout cas, les grandes recommandations du nouveau modèle de développement, oui, essentiellement. En même temps, aujourd'hui, vous avez vu peut-être l'annonce qui a été faite ce matin d'ailleurs,
C'est le principal pays producteur et exportateur de pétrole brut, en l'occurrence l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, la Russie pourrait ou devrait suivre, a décidé de réduire sa production et son exportation de barils de Brent, une annonce qui nous concerne directement, puisqu'on est une économie, un pays importateur de pétrole, et que ça vient avec le fait que s'il y a une addition d'augmentation des prix des carburants, est-ce que là, c'est la mauvaise nouvelle de la rentrée, mauvaise nouvelle économique ? Je pense qu'il n'est même pas question de bonne ou de mauvaise nouvelle. Déjà, sans angélisme aucun, l'économie saoudienne est basée sur deux axes pour l'instant, avant une politique de diversification qu'ils sont en train de mener. Il y a des rentrées touristiques, et là je me permets d'inclure, mais sans aucun aspect péjoratif, absolument pas. Des rentrées touristiques, tu sais, des gens qui ne sont pas des Saoudiens qui rendent visite au pays de manière récurrente, à savoir notamment l'Hajj et l'Omra. Et de l'autre côté, vous avez des hydrocarbures, avec un des principaux pays exportateurs au monde. C'est de bonne guerre qu'un pays qui peut influer sur les cours du pétrole, s'ils estiment que leur intérêt est de réduire la production, sans angélisme aucun, c'est peut-être le capitalisme qui s'exprime, bah en tant qu'observateur un peu indépendant, c'est tout métaphore, à fait... Hein, c'est-à-dire qu'il parle d'une réduction de 1 million de barils par jour, à partir d'octobre jusqu'à décembre. Oui. Est-ce que ça veut dire que, quelle incidence pour nous au Maroc aujourd'hui? Est-ce qu'il faut craindre, appréhender d'ores et déjà, de nouvelles hausses des prix des carburants qui pourraient intervenir dans les prochaines semaines? Parce que ça serait inévitable. C'est assez évident, parce que là, nous parlons d'offres et de demandes. S'il y a moins d'offres parce que la production est réduite en amont, les prix vont augmenter très mécaniquement. C'est pour ça que je disais sans angélisme, si c'est une politique que suit l'Arabie Saoudite, il faut la respecter, parce que économiquement, beaucoup de pays, s'ils avaient la possibilité de jouer sur les prix d'un intrant important, encore une fois, ce n'est pas un combat pieux. L'économie, parfois, est faite de ce type de démarche, tout à fait licite. Est-ce que le débat éthique ou moral, qui est très différent, est-ce qu'il peut se poser? Je ne pense même pas. C'est tout à fait légitime que l'Arabie Saoudite essaie de maximiser ses profits. Pour des pays importateurs nets comme nous, comme tant d'autres, bien entendu qu'il y aura un impact avec une hausse des prix. Une hausse des prix. Donc il faut s'attendre déjà, il y a eu 5 hausses des prix des hydrocarbures, donc des carburants, diesel et essence. Il faut s'attendre à de nouvelles hausses dans les prochaines semaines. Donc, oui. C'est une certitude. Tout dépend peut-être de la politique de hedging ou de couverture de prix qu'auraient suivi certains opérateurs. Mais je pense que d'après les informations dont on peut disposer, mécaniquement, ça va coûter plus cher à l'achat. Mécaniquement, la hausse sera répercutée, je pense, sur l'utilisateur marocain, personne morale ou personne physique. Il est fort à parier qu'il y aura une hausse des hydrocarbures et donc une inflation qui sera renchérie. Parce que, comme en tant que pays... nouvelle hausse aussi des prix des fruits et des légumes, parce que c'est déjà reparti à la hausse, d'ailleurs. Des fruits, des légumes, du lait, c'est assez mécanique. La viande. Trivialement, c'est ce qu'on peut observer de manière assez basique. Est-ce que, tout ça peut venir polluer, entre guillemets, cette rentrée économique aussi, ce projet de loi de finances qui va être présenté, on y reviendra largement tout à l'heure, et que du coup, ça va complexifier les choses. On va revenir à un schéma quasi identique à lorsque vous étiez venu d'ailleurs l'an dernier, où on est à un pic de l'inflation qui était autour de 9-10%. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi, aujourd'hui, l'inflation fin juillet, elle est à 4-9. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à un rebond réel du taux d'inflation? C'est bien de situer quelques chiffres aussi, parce qu'une inflation à 4-9 n'est pas une inflation turque ou égyptienne. Déjà, il faut remettre les choses en perspective. C'est juste nous, par atavisme, on estime que 3% d'inflation, c'est énorme, et à 5% d'inflation, on va mourir, pour caricaturer. On en est très très loin. Parce que nous sommes dans la moyenne, la fourchette plutôt haute, plutôt positive en termes d'inflation au niveau mondial. Cette inflation actuelle, qui est une inflation que subissent la plupart des économies, même des pays qui sont exportateurs nets, la subissent également, elle n'est pas scandaleuse, ce n'est pas un cataclysme. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de recul en disant, bien entendu, à commencer par moi, personne physique, quand je vais faire mes courses, quand je vais payer les frais de scolarité de mes enfants, quand je vais, ça me coûte plus cher. Mais est-ce que de 1, je suis décorrélé de ce qui se passe dans le monde, et de 2, est-ce qu'on va tous mourir parce qu'il y a une hausse d'inflation de 5-6%? Non, je pense que c'est plus dur qu'avant, mais on ne va pas mourir. Je pense qu'il faut prendre un peu plus de pondération quand on analyse l'inflation. Mais en même temps, il y en a qui considèrent qu'il y avait beaucoup d'appels qui avaient été lancés un petit peu dans ce sens à l'égard du gouvernement, de peut-être plafonner des prix, et donc de revoir cet article sur la liberté des prix qui permet de plafonner temporellement, en tout cas pour une durée de 6 mois, les prix de produits de grande consommation, ce qu'ont fait certains pays, des ristournes un petit peu à la pompe ou un allègement de la fiscalité, c'est ce que d'ailleurs vient de réclamer aussi d'exprimer des partis de l'opposition. Est-ce que du coup là, ça va redevenir aussi un enjeu, sachant que augmentation des prix des hydrocarbures de manière continue, donc augmentation aussi des fruits et légumes et des produits de grande consommation alimentaire, et que du coup, l'exécutif risque d'être un peu acculé et va devoir répondre aussi aux attentes des ménages. De manière très simple. Si on estime que les prix d'achat de certaines denrées, notamment les hydrocarbures, vont être renchéris, du fait notamment de certaines actions entreprises par des pays exportateurs-producteurs, comme l'Arabie Saoudite, c'est un fait. Les prix vont augmenter.
Au bout d'un moment, on a juste le choix de savoir qui va payer, quelles sont les parties qui vont payer. Si on estime que les prix seront répercutés sur le consommateur va payer, on va diviser par une assiette peut-être de 40 millions de personnes. Si on estime que c'est à l'entreprise de payer, c'est un calcul également. Mais auquel cas, il ne faudrait pas s'offusquer si l'entreprise peut moins recruter, si l'entreprise octroie moins d'augmentation de salaire, si l'entreprise est plus en difficulté, si même certaines entreprises, avec une hausse des défaillances d'entreprises historiques au Maroc, on anticipe en tant qu'Alliance 13 13 000 défaillances pour 2023 et 13 000 défaillances pour 2024. Nos pires années ont été un peu au-dessus des 10 000. Là, 13 000, c'est quand même beaucoup. Il faut savoir où on va. Si on estime que si ni la personne physique, ni la personne morale qui va supporter, c'est l'État, ça s'appelle de l'endettement. Est-ce qu'on est prêt à accepter 4, 5, 6 points de base d'endettement par rapport au PIB ? En plus, le calcul n'est pas tant de dire est-ce que c'est bien ce que fait l'exécutif ou pas, c'est juste de te dire qui va payer. Mais quelqu'un doit payer. Il n'y a pas d'argent magique. En tout cas, on a bien vu l'année qui vient de s'écouler, et le premier semestre d'ailleurs de 2023, c'est les consommateurs qui ont payé la facture de l'inflation. Essentiellement, avec une partie où l'État est intervenu avec deux rallonges budgétaires de quasiment 20 milliards de dirhams, venir en soutien un peu à l'ONE, à la RAM aussi, et à d'autres secteurs d'activité. Donc, se dire, est-ce que cette équation-là, ce qui a été fait précédemment par l'exécutif, est-ce que c'est tenable ou pas, sachant qu'il y a aussi des impératifs budgétaires et macroéconomiques, puisqu'ils ne veulent pas laisser filer le déficit budgétaire. Donc, est-ce que du coup, on se retrouve dans une équation qui est quasiment insoluble ? Je pense que ce n'est pas totalement insoluble, mais une équation extrêmement compliquée. Parce que c'est très simple de jeter la pierre à l'exécutif. Mais mettons-nous à leur place 30 secondes. On veut réformer le système de santé, on veut réformer le système éducatif. Il y a de l'inflation, les consommateurs marocains souffrent. Il faut faire un pas, ou deux pas, ou trois pas vers les consommateurs. Les entreprises marocaines souffrent comme elles n'ont jamais souffert de leur vie. Il faut faire un, deux ou trois pas vers le consommateur. Les organismes internationaux, notamment les bailleurs de fonds, se posent certaines questions. Il faut les rassurer également. En voulant ménager la chèvre et le chou et tous les intervenants de la chaîne macroéconomique, on tombe sur une équation, on veut faire beaucoup de compromis, c'est difficile de faire. Mais le concept que je veux développer, c'est pas tant que l'exécutif a failli dans une approche, mais je le dis sans aucune appartenance politique, c'est que les temps sont très difficiles, on veut faire beaucoup de choses à la fois, et c'est pour la bonne cause, et au bout d'un moment, il faudra bien que des efforts soient entrepris par toutes les parties. En tout cas, vous dites aussi, on le sait, donc l'inflation touche tout le monde, y compris dans l'ensemble des ménages, détérioration massive du pouvoir d'achat, mais vous dites aussi attention, parce que l'inflation, c'est que parfois, d'ailleurs, on peut occulter involontairement, c'est qu'elle est, l'inflation, c'est aussi mortel pour l'entreprise. Ah oui, l'inflation, c'est critique. Parce qu'une inflation, que signifie une inflation ? Ça veut dire que mes intrants vont coûter plus cher. Lorsqu'on est un pays importateur net comme le Maroc, et lorsqu'il y a beaucoup, comme son nom l'indique, en tant qu'importateur net, beaucoup de denrées qui ne sont pas produites ici. On va revenir ouvrir le débat sur le tissu industriel marocain qui ne s'est pas suffisamment diversifié, qui aurait pu profiter de certaines mannes, n'en a pas suffisamment profité à mon goût. Toujours est-il qu'on est importateur net. En tant que Maroc, avec un pouvoir de négociation, le pouvoir de négociation vis-à-vis d'un exportateur étranger est beaucoup plus limité que par rapport à un client marocain. Je m'explique. Si moi, je veux importer une marchandise pour tourner, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de tensions sur les matières premières, si je veux importer, il faut que je paye. À 15 jours, à 20 jours, à 60 jours, si j'ai beaucoup de chance, mais le plus souvent, c'est à quelques jours. Et si ça me coûte beaucoup d'argent pour importer et que moi, pour me faire payer sur le marché, il faut que j'attende 6 mois, 9 mois, aux conditions que vaut bien un client, il y a un impact, au-delà même de l'impact PNL ou l'impact sur la rentabilité pure. Il y a un impact sur la trésorerie, qui est le nerf de la guerre. Ce que nous disait Chakib Lalé, j'ai dit en début de semaine. Donc, le BFR prend un sacré coup. Ce n'est pas une vue de l'esprit, parce qu'on peut bien considérer que parfois un résultat net, c'est une écriture comptable. Mais lorsqu'on regarde le résultat net, qu'on va concevoir peut-être pour le commun des mortels, c'est-à-dire dépenses-recettes. J'ai beaucoup de dépenses que je dois engager de manière fixe. Il y a des salaires qu'on doit payer, il y a des importations qu'on doit payer. On n'a pas beaucoup de latitude, mais sur mon chiffre d'affaires, moi, si je dois avoir un DSO ou un délai de recouvrement de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois, de 12 mois, je ne m'en sors absolument pas. Et c'est aussi tout le débat dont on ne parle pas suffisamment. Au-delà même de la hausse des prix qui impacte la rentabilité, il y a un impact trésorerie qui est terrible, terrible pour les entreprises. Trésorerie, donc inflation, donc d'où la question aussi, vous le disiez d'ailleurs, quand on importe, on paye quasiment, comme on dit vulgairement, au cul du camion. Oui. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de délai de paiement, il n'y a pas de 120 jours, de 180 jours. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays qui peuvent payer justement tomber du camion, beaucoup plus que moi. Je ne suis pas le seul à acheter. Donc il y aura aussi, les sources d'approvisionnement risquent d'être aussi en tension dans les prochaines semaines, s'il y a une remontée, en tout cas un rebond de l'inflation. Et quand on voit les difficultés de certaines entreprises marocaines, même le simple fait de payer, mais avec du retard, ça décrédibilise certaines entreprises et beaucoup d'exportateurs étrangers vont se dire, dans le doute, peut-être que je vais éviter certains secteurs au Maroc, je vais livrer ma marchandise ailleurs, ils me payent mieux. Donc c'est un cercle vicieux qu'on commence à entrevoir. Et vertueux. Qui peut devenir vertueux. Est-ce que ça veut dire aussi, Chamadzi,
Alors oui, avant de passer sur, justement, c'est la hausse du SMIC, on l'a vu, ça fait un peu l'actualité de cette rentrée économique 2023, sur les délais de paiement, la nouvelle loi qui est effective là, depuis juillet, la loi 69-21 qui vient succéder à d'autres lois qui n'ont pas montré en tout cas, et démontré leur efficacité. Est-ce qu'il peut y avoir de nouvelles tensions également sur les délais de paiement? C'est-à-dire un rebond de l'inflation, tension sur la trésorerie, sur les BFR. Est-ce que là aussi, sur cette nouvelle loi sur les délais de paiement, avec tout l'arsenal qui est prévu, y compris des sanctions financières, est-ce que là aussi, ça peut complexifier en tout cas l'effectivité, la mise en route de cette nouvelle loi? Avec une très modeste expérience, peut-être dans le monde des affaires au Maroc, je dirais qu'on n'est pas très fort dans ce pays en termes de gestion du changement. Il y a une résistance au changement qui est naturelle, j'allais dire, dans notre pays. Donc déjà, le fait qu'il y ait une nouvelle loi, un nouvel arsenal, pour digérer ce changement, on n'est pas le pays, peut-être pour moi, économiquement parlant, j'entends, dans notre psychologie, à digérer au mieux ce type de changement. Donc déjà, il y a peut-être une phase transitoire de 3 mois, 6 mois, 9 mois, sur lequel tout le monde devrait être didactique et pédagogique, le temps de faire comprendre l'ensemble de l'enjeu et de pourquoi. C'est ce qui est prévu, je pense qu'il y a une progressivité qui est prévue de toute façon. Mais est-ce que là, si effectivement, si on rentre dans une séquence, en tout cas, aujourd'hui, enfin, inflationniste, l'inflation est déjà là, avec un rebond, est-ce que ça peut complexifier, rendre encore plus compliqué, en tout cas, l'effectivité de cette nouvelle loi et surtout de raccourcir ces fameux délais de paiement avec un encours, je le rappelle, de plus de 300 milliards de dirhams. Pour moi, l'efficience de la loi est surtout sujette à caution lorsqu'il s'agit d'analyser les causes. Les causes, ce n'est pas forcément la méchante entreprise ou le méchant capitaliste marocain qui refuse de payer. Pour moi, 99% des débats, 95% des débats, c'est un problème de disponibilité du cash, trésorerie. Si j'avais de l'argent, je paierais. Mais je n'ai pas d'argent. On me dira pourquoi on entre sur certains marchés alors qu'on n'a pas les fonds, on n'a pas le financement. C'est peut-être aussi, ça a trait à la personnalité d'un certain nombre d'entrepreneurs marocains qui ont tendance à s'enflammer, à devenir un peu trop optimistes alors qu'on devrait être un peu plus carré, un peu plus Excel ou tableur Access. Mais toujours est-il que dans notre manière de faire du business, dans un certain nombre d'entreprises au Maroc, c'est ainsi que le business est fait. Ce n'est pas parce qu'on va être un peu plus coercitif à exiger de l'argent que l'argent va commencer à tomber. Peut-être certaines entreprises, certains acteurs du marché qui ont des fonds et qui jouent la montre sur quelques jours ou quelques semaines se bougeront un peu plus pour parler trivialement, mais ça ne règle pas, à mon sens, le problème de 80% des entreprises marocaines, pour être conservateur, 90% si je voulais être un peu plus pushy, c'est qu'il n'y a pas de cash. C'est aussi bête que ça. Ce n'est pas payer, c'est qu'elles ne peuvent pas payer. Et donc, voilà. C'est aussi simple que ça. On passe à cette hausse du SMIC. Donc, on l'a vu, la hausse du SMIC qui a été donc effective depuis le 1er décembre, même si c'est toujours dans l'attente des décrets de publication au bulletin officiel. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs, une mauvaise nouvelle pour les employeurs? Encore une fois, pas d'angélisme. Lorsqu'on regarde déjà les chiffres, on dira que le SMIC devrait passer autour des 3 000 dirhams. 3 111 dirhams pour être précis. C'est-à-dire un cas foyer où vous avez deux personnes au SMIC, faire entrer quelque chose comme 6 200 dirhams. On dirait, est-ce que 6 200 dirhams est un revenu suffisant pour faire tourner une famille, pour louer, pour peut-être payer des loisirs aux enfants, pour suivre leur cursus de scolarité? Vous direz que la réponse n'est pas forcément ou intuitivement oui. Après, j'ouvrirai une parenthèse. Est-ce que 6 200 dirhams à Casa, c'est 6 200 dirhams à Tsaounet ou à Fès? Je ne suis pas en train d'opposer les gens de Tsaounet, que je salue, aux gens de Casa, mais c'est une réalité basique. C'est-à-dire, il y a peut-être des régions où le coût de la vie est supérieur. Peut-être que ce serait politiquement, même si je ne veux pas faire de politique, intéressant de penser peut-être à un SMIC différencié. Un SMIC régional, en fait. Ou des péréquations des choses. Après, on dira, on est tous marocains, je dirais tout à fait. Mais je pense qu'il y a lieu de creuser ce type de réflexion. Ça, c'est pour le SMIC régional, mais en tout cas, en tout état de cause, est-ce que vous considérez-vous que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour l'entreprise et les chefs d'entreprise aujourd'hui? C'est une décision qui a été prise par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. D'ailleurs, Chakib Lalleg était ici même pour s'en expliquer et pour dire ce qui l'avait motivé. C'est essentiellement, effectivement, le fait que c'était un engagement de la CGM auprès des partenaires sociaux et du gouvernement. Est-ce que là, ça va renchérir les coûts, le coût du travail? Est-ce que c'est... beaucoup se disent, mais ça, c'est une décision politique, administrative, mais c'est pas forcément pas du tout une décision économique, puisque ça va augmenter le pricing Maroc au niveau du travail minuté. Est-ce que pour vous, où est-ce qu'il faut situer cette décision politique, économique, mais politique avant tout de hausse du SMIC? Est-ce qu'il faut dire, voilà, il faut la mettre en équation aussi avec le coût de la vie et cette inflation? Est-ce que il faut dire, si elle n'est pas adossée à la productivité, elle n'a pas de sens?
Pour moi, le débat est très simple. Encore une fois, j'en reviens à mes fameux 6200 dirhams d'un foyer qui a la chance d'avoir les deux conjoints qui travaillent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc déjà, ce n'est pas grand-chose en valeur absolue pour faire tourner un ménage comme il devrait tourner peut-être, même si on a des évolutions très marquées. Le SMIC a doublé par rapport à il y a 15 ans en arrière. Il ne faut pas l'oublier. Donc il y a beaucoup de très belles choses qui sont faites. En revanche, pour une entreprise, la réponse est évidente, elle est basique. J'avais une masse salariale de 100. Ma masse salariale passe à 102, pour prendre cet exemple. Parce qu'il y a une hausse du SMIC que je peux comprendre en tant que personne physique. Il n'y a absolument aucun problème. Mais ces deux de charges complémentaires, qu'est-ce que j'ai en échange? Parce que c'est comme ça que réfléchit un capitaliste, un entrepreneur. Est-ce que j'ai une obligation de formation? Est-ce que j'ai un crédit, peut-être accompagnement sur un crédit carbone? Est-ce que j'ai une formation nouvelle technologie? Est-ce que j'ai un recyclage prévu par le gouvernement? À l'instant T, qu'est-ce qu'on observe? Bah, on va payer plus cher des gens qui le méritent. Il n'y a pas de problème. Parce que les temps sont durs pour tout le monde, à commencer pour les populations les plus vulnérables. Mais en tant qu'entreprise qui déjà avait des difficultés assez patentes à gérer son quotidien, si on me dit que ça va me coûter plus cher, bah forcément, c'est une mauvaise nouvelle économiquement. Même si l'entrepreneur, sans être schizophrène, quand il rentre chez lui, il se dit bah, « je suis content que mes gars, pour parler trivialement au SMIC, aient un petit peu plus d'argent en fin de mois ». Mais n'occultons pas un débat qui n'est pas neutre. Il n'y a pas que le SMIC dans la vie. Parce que vous avez des collègues qui ne touchent pas peut-être 3100 dirhams, mais qui touchent 4000 dirhams, 4500. Ben, ils vont vous dire, vous avez augmenté. Ceux qui touchent juste 1000 dirhams de moins que moi, de 5%. Le gap se réduit. Est-ce que ça, c'est problématique aussi? Oui. Est-ce que ça peut être problématique aussi? Et sachant également, d'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez de ça, jamais c'est là, oui, ça veut dire que le salaire moyen dans le secteur privé, chez nous, selon la data disponible au niveau de la CNSS, il est de 4300 dirhams. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec un gap qui est en train de se resserrer entre le salaire minimum, 3111 dirhams, et le salaire moyen dans le privé, qui est le 4300 dirhams. Oui. En fait, c'est un débat parce que la part du SMIC et du SMAC dans l'ensemble des salaires est très importante. C'est pour ça que peut-être la pondération fait qu'on aboutit à ce type de salaire moyen. Mais moi, très terre à terre, une entreprise, disons, à 7-8 salariés, dirait, vous augmentez deux personnes au SMIC. Avec grand plaisir, elle le mérite. Mais moi, je ne suis qu'à 800 dirhams de plus que le SMIC. Et si vous augmentez les salaires, vous estimez qu'il y a plus d'inflation au Maroc, à juste titre, elle s'applique à moi aussi. Et il faut m'augmenter aussi. Donc, il ne faut pas voir que 5% d'impact SMIC. Il y a mécaniquement peut-être 3-4% que réclameront d'autres franges de la population des travailleurs. Et le débat est très recevable. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a le SMIC qui s'applique l'inflation s'applique aux personnes qui touchent 3000 dirhams, mais comme le nuage de Tchernobyl, l'inflation s'arrête exactement quand vous touchez 3500. Ce n'est pas possible, ce n'est pas recevable intellectuellement. Et celles et ceux, alors je ne sais pas de quelle école et schéma de pensée économique vous faites partie, Chamès et Nalaoui disent, mais en fait, cette hausse du SMIC aussi, c'est comme une hausse des salaires en pleine inflation, mais ça nourrit l'inflation. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour juguler l'inflation. Oui, mais d'un autre côté, parce qu'il y a deux manières de voir. Je dirais qu'on a des taux de chômage qui sont à des niveaux exceptionnels. On est sur un record à 12,7%, 12,8%. Pas loin des 13%, et peut-être par catégorie socio-professionnelle ou par âge, on n'est pas loin des 40% chanter les jeunes. Ce n'est pas tenable. Pour appeler un chat, ce n'est pas tenable. Donc, si ça coûte plus cher maintenant de recruter, je ne pense qu'intuitivement pas qu'une entreprise, maintenant, vous allez voir un record ou bien un rebond à la baisse du taux de chômage. Donc déjà, il faut voir les effets pervers à très court terme. Ça me coûte plus cher pour recruter, ben je recruterai moins. De l'autre côté, que voulez-vous que l'exécutif y fasse? Avec cette inflation qu'on est en train de décrire, avec des salaires qui en valeur absolue vont chercher quelques centaines d'euros, pour appeler un chat, il faut bien que les salariés marocains vivent avec un certain niveau de décence. Et pour ce faire, si on estime que 5% l'année dernière, suivi de 5% cette année, ça permet une certaine émergence, ou peut-être même pas une émergence, ça permet de compenser insuffisamment les effets de l'inflation, puisque l'inflation était supérieure à 5%. Complètement. On est en train d'augmenter des personnes, juste pour que les effets de la hausse des prix se ressentent moins. Mais ces personnes ne se sont pas enrichies. Donc j'ai une vision un peu schizophrénique en tant qu'être humain, en tant qu'observateur, citoyen marocain. Ben, j'applaudis, c'est normal. Il faut que les gens continuent à vivre décemment. Il y a beaucoup d'avancées très positives dans ce sens. Mais en tant qu'entrepreneur, ben, si ça me coûte plus cher, j'ai un problème. Déjà que ce n'était pas brillant. Que voulez-vous que j'y fasse? J'aurai encore plus de problèmes à l'avenir. Et en même temps, si la contrepartie, d'ailleurs, ce qui a été exprimé ici même par Chakib Lalouche, président de la CGM, c'est de dire, nous, la garantie, en fait, la promesse qui nous a été faite, en tout cas par l'exécutif, c'est la mise en route dans le circuit législatif et parlementaire d'un cadre juridique, d'un projet de loi sur la grève et de l'assouplissement du code du travail. Oui. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous l'avez dit, tension sur la trésorerie, sur les BFR, inflation, renchérissement du coût du travail, en tout cas avec l'augmentation du salaire minimum, est-ce que ça peut adoucir le chef d'entreprise que d'entendre cette promesse faite d'une refonte du code du travail, donc avec l'introduction de plus de flexibilité et un cadre juridique pour le droit de grève?
Je pense qu'il y a deux débats qui sont liés. Il y a un débat très politico-politicien dans lequel je ne veux absolument pas rentrer, d'une certaine parole donnée, d'un certain engagement, en disant on va faire 5% d'augmentation en septembre, Ramadan dernier, on va rajouter 5%, moyennant quelques mesures, dont un assouplissement des indemnités de licenciement. Et avec un plafonnement d'ailleurs, c'est ce qu'on indique la CGM. Alors ça c'est un débat politique, sur qui a dit quoi, qui s'est engagé sur quoi, qui a compris quoi. À la rigueur ça ne m'intéresse pas en tant qu'observateur politique neutre. En revanche, moi je dirais que si on met en perspective quelques centaines de dirhams, même si in fine ça ne coûte pas loin des 3 milliards de dirhams pour l'ensemble des entreprises. 2,5 milliards de dirhams pour être précis annuellement pour le monde de l'entreprise en général. C'est tout sauf neutre et en indirect ça coûtera beaucoup plus, en reprenant ma logique d'avant, parce que les personnes qui gagnent 6 000, 7 000, 8 000 dirhams vous diront bah, moi aussi il faut m'augmenter de peut-être pas de 5 mais de 3-4% et donc on va arriver à peut-être 5 ou 6 milliards de dirhams. Ceci est un autre sujet. Donc moi je ne pense pas qu'on puisse mettre d'un côté peut-être 200 dirhams ou 300 dirhams de salaire en plus pour un ouvrier dans une ligne de production avec une mesure aussi structurante, entre parenthèses, que je comprends très aisément en tant qu'entrepreneur, que je comprends très aisément, je m'expliquerai pourquoi. On ne peut pas mettre en mesure une réforme structurelle de dire on va plafonner les indemnités de licenciement avec une hausse de quelques centaines de dirhams de SMIC. Parce qu'il est vrai que si on sort du cliché du méchant patron et du gentil salarié, il y a quand même, très inspiré du droit français, une propension qu'ont certains salariés, fort heureusement une minorité, à dire ben moi, après 20 ans d'expérience, moi, mes indemnités de licenciement théorique coûtent tant, moi, s'il n'y a pas de motif sérieux et grave et légitime pour me licencier, a fortiori, moi, d'après une certaine jurisprudence, il est assez acquis que devant un juge, en tant que salarié, supposé partie faible, j'ai beaucoup plus de chances de remporter mon procès qu'ailleurs. Il est clair que ce n'est pas le climat idoine et propice à l'explosion de l'employabilité au Maroc. Je pense qu'il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre. Je pense qu'il faut s'ouvrir à d'autres référentiels. On a un référentiel très franco-centré. Je pense qu'il faut s'ouvrir à des référentiels, par exemple, germaniques ou américains, qui sont des économies un peu plus capitalistes, mais dans lesquelles les droits de l'homme sont respectés. Je pense que c'est juste une question d'équilibre à trouver. Donc de nouveaux modèles, en l'occurrence, à trouver et à mettre en place. Oui. Donc ce n'est pas forcément la hausse du SMIC qui permettra de réduire le chômage et favoriser la création d'emplois. C'est ce que dit un peu le patronat aussi. Oui. Parce que c'est effectivement, si on met en place un cadre juridique pour la grève, si on assouplit le code du travail, et en boostant le salaire minimum, c'est comme ça qu'on créera de la richesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement économique ? Je pense que le raisonnement peut se tenir si on sort des slogans. C'est-à-dire que si on sort d'une logique où un syndicat, dans un pays donné, va bloquer juste par atavisme, parce que nous, syndicats, on doit bloquer. Si un patronat ne doit pas faire un geste vers ses salariés, parce que c'est le patronat, et c'est l'image qu'on en a, une image d'Épinal, et si un salarié se retrouve un peu entre les deux, si on n'est pas tous assis en tant qu'opérateurs dans le même bateau, on ne va pas s'en sortir. Je pense que le syndicat doit changer d'approche. Il doit venir du côté des salariés, c'est son droit, il a été historiquement créé pour ça, mais il doit comprendre aussi les leviers que ressentent les entrepreneurs, qui ne sont pas des méchants hommes et femmes qui se réveillent le matin avec l'intention de sniper leurs salariés, qui ont des contraintes, et je pense que les syndicats le comprennent de plus en plus. Il faut aider les entreprises à continuer à maintenir de l'emploi, qui n'est pas acquis. Quand on est syndicaliste, secrétaire général de l'UMT, pour ne pas le citer, Miloudi Mokhaler, pour aller jusqu'au bout de la citation, qui dit ben, « moi je veux et je souhaiterais, et je milite pour un SMIC à 5 000 dirhams ». Est-ce que ça, c'est responsable? Est-ce que c'est du populisme? Est-ce qu'il est dans son rôle? Alors, on a tout un débat sur 5%, suivi de 5% de hausse sur le SMIC. Doubler le SMIC, c'est possible, mais après, il ne faut pas s'offusquer s'il y a 30% de chômage, parce que les entreprises licencient, ils n'arrivent pas à recruter. Il ne faut pas s'offusquer si 13 000 défaillances d'entreprises deviennent 25 000. C'est-à-dire, c'est Mokhaler quelque part dans son rôle, parce que dans tous les pays du monde, c'est un peu le rôle des syndicats, commencer à 5 000, peut-être pour finir à 3 500. Il est dans son rôle, et je l'applaudis pour ça. Mais en revanche, je pense qu'il faut faire un pas vers l'entreprise. Et c'est ça, ce clivage qui me dérange. Moi, en tant que chef d'entreprise, je serais très content d'avoir des débats avec des syndicats, mais des débats qui soient un peu plus équilibrés. Qu'on me comprenne en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur qui crée de la valeur, très modestement, et pas uniquement comme quelqu'un qui cherche à licencier ses salariés ou quelqu'un qui cherche la petite bête. On est sorti de ce clivage très années 80. Je pense qu'il faut qu'on sorte de mai 68 et qu'on devienne plus vers 2030-2040, qu'on se dise... C'est Mokhaler ou d'autres syndicalistes qui ont apporté d'ailleurs un sang neuf à la fonction syndicale. Je pense qu'il faut qu'on converge un peu plus. Si Cheikh Ibn Alej doit s'asseoir avec Cheikh Mokhaler, qui doit s'asseoir avec le ministre de l'Emploi, et on doit tous trouver une solution. Il n'y a pas le patronat contre les syndicats, contre les entrepreneurs.
On est tous dans le même bateau. Parce que le vrai problème, c'est ni le syndicat, ni le patron, ni la CGEM. Le vrai débat, c'est le modèle économique marocain, c'est notre capacité à créer de la richesse. À produire plus et à performer plus. Mais personne ne fait rien de mal. Quand j'y pense, le syndicat fait son travail, le patron a fait son travail, les entreprises font leur travail. Il y a personne qui... C'est juste des facteurs exogènes qu'on doit tous gérer au mieux de nos capacités. Pour finir ce débat économique avec vous, Hicham Ezzel Alaoui, sur le faut-il d'ores et déjà revoir à la baisse les prévisions de croissance, on a démarré le débat. Ce débat avec vous, avec une inflation après une décélération qui pourrait connaître un rebond, cette décision qui est prise par le premier producteur et exportateur de pétrole de réduire de 1 million de barils par jour, donc on le voit bien, ça sera les tensions sur les marchés, en tout cas, sur les marchés pétroliers, donc avec comme conséquence là, une hausse prévisible des prix des carburants qui vient de connaître 5 hausses. Donc, inflation aussi pour l'entreprise, tension sur la trésorerie, le coût du travail qui augmente avec la hausse du salaire minimum. Est-ce que tout ça, la somme un petit peu de tout ça, fait que, mais d'ores et déjà, cette note de cadrage qui a été présentée en juillet, avec des prévisions de croissance autour de 3,6-3,7%, un taux d'inflation prévu aussi annoncé autour de 3,4%, est-ce que tout ça, ça tombe déjà à l'eau et qu'il va falloir faire une correction par le bas? Alors pour pouvoir répondre prospectivement, je vais faire ce que font tous les assureurs, on va analyser le passé, on va analyser rétrospectivement. Si on devait faire l'exercice de voir qu'est-ce qui s'est dit dans le PLF de 2017-2018, on verrait que très souvent, pour ne pas dire toujours, on commence peut-être à un certain niveau, l'atterrissage est assez souvent très différent et personne ne semble s'en offusquer. Donc pour moi, c'est un exercice presque obligé. Est-ce que c'est réellement ce qu'on va observer, même en termes d'anticipation du nombre de quintaux, de millions de quintaux qu'on va produire pour les céréales, en termes d'inflation, en termes d'employabilité, en termes de déficit? Pour moi, c'est un passage obligé. C'est un exercice qu'on fait chaque année. Je pense que les opérateurs économiques, ou certains en tout cas, ont compris que ce n'est pas là que ça se passait. C'est plutôt un passage obligé. Après, on gérera au fil de l'eau parce que, d'une part, il y a tellement d'impondérables qu'on ne gère pas en tant qu'importateur net. Et d'autre part, on sait très bien qu'on peut avoir un atterrissage assez différent d'un projet de loi de finances, et il n'y a pas forcément des griefs majeurs qui sont tenus contre les personnes qui avaient fait ressortir ce projet de loi de finances. Pour moi, ça reste un passage obligé, c'est un exercice économique respectable. Mais par rapport aux chiffres qui ont été annoncés, toute croissance à 3,7 d'ores et déjà, le HCPR lui a annoncé 3,6, la Banque mondiale 3,5. Par rapport à tout ça, s'il y a effectivement l'inflation repart, et repart avec où on assiste à de nouvelles poussées inflationnistes, est-ce que du coup ça va avoir un impact certain et réel sur l'inflation et qu'on aurait pu un taux d'inflation prévisionnel à 3,4% au niveau du projet de la finance 2024, mais peut-être une inflation avec un retour de l'inflation à 6-7? Oui, c'est pour ça que le contexte étant tellement volatile, si on commence à s'adapter aux fluctuances, aux contingences du moment, on ne s'en sortira pas. Moi, je salue l'exercice qui est un passage obligé, qui doit être fait, qui doit être voté. Il faut qu'on fixe un cadre. Après, on verra à la fin de l'année si on était loin ou pas loin du cadre et si on a été loin du cadre, pourquoi on a été loin du cadre? Est-ce que c'était des éléments anticipables ou pas anticipables? C'est ce que je reprochais peut-être dans ma première partie de mon allocution. Je pense qu'on ne fait pas suffisamment cet exercice de revue critique des analyses PLF des années précédentes et des approches comparatives. D'ailleurs, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on fait en septembre, octobre pour le faire. Et puis, in fine, quand on doit faire le bilan, on dit finalement, on doit préparer le PLF de l'année d'avant. Mais pour réellement analyser la pertinence d'un PLF, ce serait très intéressant que des économistes, il y a beaucoup d'économistes politisés qui sont brillants, qui pourraient faire cet exercice sur 10 ans. On a anticipé tant, par rubrique, on a eu tant. Pourquoi on s'est trompé sur ça? Comment on a pu arriver? Par quels facteurs compensés à être pas très loin de ça? Mais cette analyse, si on ne commence pas à la faire, il n'y aura jamais de vraie rigueur d'anticipation de ce qu'on fera à l'avenir. Ça, c'est pour le cas de macro et donc la conduite et le pilotage de la politique budgétaire. Mais il y a aussi la politique monétaire. Oui. On le voit bien aujourd'hui, la position en tout cas des grandes banques centrales à travers le monde aujourd'hui, notamment la Fed, mais pas que, c'est de dire effectivement, ils n'écartent pas du tout le fait de réaugmenter les taux directeurs à la rentrée. Nous, on a le prochain conseil monétaire, c'est dans quelques semaines, au niveau de la Banque centrale et de retrouver la petite joaillerie. Dernier conseil monétaire, ça a été la décision qui a été prise, c'était la stagnation, c'est-à-dire à 3%. Est-ce que s'il y a retour d'inflation, ce qui est prévisible, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que au prochain conseil monétaire, la petite joaillerie annonce une nouvelle hausse du taux directeur? C'est possible, parce que c'est un réflexe automatique, pour ne pas utiliser une autre expression qui peut être connotée péjorativement, c'est un réflexe automatique parce que c'est une logique très simple. Si ça coûte plus cher, les prix coûtent plus cher à l'international, je vais augmenter mes taux directeurs. En augmentant mes taux directeurs, normalement la consommation devrait baisser parce que le citoyen va avoir plus de difficultés à financer parce que quand il va emprunter un crédit à la consommation, pour parler très terre à terre, ça va lui coûter plus cher à rembourser. Donc il consommera moins.
Et s'ils consomment moins, il y aura moins de ventes. S'il y a moins de ventes, l'offre et la demande agissant, ben les opérateurs seront obligés de brader leurs prix. Et donc, on aura un phénomène inverse à celui de l'inflation. C'est un peu l'esprit derrière. En revanche, l'histoire a montré dans notre pays que, d'une part, il n'y avait pas forcément corrélation entre hausse des taux et impact sur l'inflation, parce que ce ne sont pas forcément, à mon sens, des opérateurs qui ne jouent pas le jeu de vouloir baisser les prix. C'est tout bêtement des prix qui coûtent cher à l'international. Notre inflation au Maroc est inférieure à l'inflation moyenne mondiale. Et comme nous sommes importateurs nets, ça prouve de manière assez basique. Donc on importe aussi de l'inflation. On importe de l'inflation, mais on apporte moins que ce qui se passe au niveau mondial, pour ne diaboliser personne. Donc, d'une part, moi, je ne pense pas que ce soit la solution idoine. Deuxième sujet, contrairement à d'autres pays, le volet immobilier est un levier majeur de notre économie. Quand on a des hausses des taux directeurs, ben on vend moins d'immeubles, de terrains, de locaux commerciaux. Si on vend moins de ça, tout un pan de l'économie est perdu. Donc moi, je comprends une position de Banque de Maroc qui augmente les taux. C'est ce que font toutes les économies modernes. Mais là, il faut s'y attendre, selon vous, là, vu ce qui est en train de se dessiner, de se profiler. C'est très possible. Fortement. Est-ce que ça aura forcément un impact sur les prix? J'en suis pas persuadé. Mais tout ce que je sais, c'est que si on augmente davantage le taux directeur, ben, on aura peut-être une bulle immobilière qui déjà était souffreteuse. On devrait avoir un immobilier en récession. Et si on a un immobilier en récession dans ce pays, l'économie dans sa globalité ne va pas bien. En tout cas, on a vu que toutes les hausses successives du taux directeur se sont traduites aussi, on le voit directement, ou impact direct ou impact indirect, en tout cas par une baisse de la consommation, oui. Qui est notable aujourd'hui. L'HCP parle de moins 12, moins 13, moins 14% de la consommation. C'est ce que j'ai explicité auprès là, parce qu'il y a beaucoup d'endettement, que ce soit des ménages ou des entreprises. Si moi, ça va me coûter plus cher, je vais moins m'endetter. Si je m'endette moins, je consomme moins. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi, pour conclure, Hicham El Senaalawi, parce que c'est Fawzi El Arjaa, le gouvernement donc, qui a lancé aussi pour 2024 une réforme fiscale qui prévaut d'ailleurs dans la loi cadre de la fiscalité. Et là, il s'attaquerait d'abord par une réforme de la TVA. Mmh. Et donc par une refonte en fait, des différents taux intermédiaires. Est-ce que là, il y a un enjeu aussi pour essayer de juguler un peu l'inflation, pour faire plus de recettes généré par la TVA? Parce que, comment vous voyez un petit peu ça? Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui va être fait en 2024, réforme. Ça, j'applaudis de mes voeux et je pense qu'il y a deux leviers. Le premier levier est un levier de forme. Parce que si vous prenez un investisseur non francophone, allez expliquer la TVA à un Émirati, ou bien un Saoudien, ou bien un Américain. La TVA, telle qu'elle est appliquée au Maroc, allez lui expliquer, même à des experts fiscalistes de grands groupes, ce n'est pas toujours très intuitif. Donc déjà, il y a un problème de complexité qui, pour moi, est très dispensable lorsqu'il s'agit de TVA. On peut aussi bien préserver, voire augmenter les ressources fiscales d'un État en simplifiant un peu plus sa fiscalité, notamment celle afférente à la TVA et cette notion de butoir lorsque vous avez un différentiel entre la TVA que vous collectez lorsque vous vendez et celle que vous récupérez. À 14, ouais. C'est très peu lisible pour beaucoup d'opérateurs non avertis, non francophones. Donc déjà sur la forme, ça je suis très content. Sur le fond, oui, je pense que la TVA, qui est une taxe qu'on voulait rendre la plus neutre possible. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, encore, il y avait le décalage d'un mois entre la TVA collectée et TVA récupérable, c'est-à-dire que vous payez votre TVA et vous récupérez la TVA du mois le mois suivant. Ça a été aboli. C'est dans l'optique de rendre cette taxe de plus en plus neutre. Mais en revanche, elle n'est pas neutre. Parce que typiquement, quand vous avez un butoir, bah, vous avez un crédit TVA. Lorsque vous demandez un remboursement de crédit TVA, bah, qu'on le veuille ou non, il y aura des rejets. Et puis, on l'a vu avec le financement des crédits TVA, ça va légèrement mieux, ça va beaucoup mieux, mais toujours est-il qu'en termes de trésorerie, qui est le nerf de la guerre, on peut avoir un crédit TVA, mais traduire ce crédit TVA en cash, frais et disponible pour une entreprise, n'est pas aussi simple, parce que si, pour récupérer son crédit TVA, on doit payer un intérêt, certes inférieur à une banque, bah ça nous coûte encore plus d'argent. C'est une charge supplémentaire. Ça, c'est l'impact pour l'entreprise, en tout cas, de cette réforme à venir de la TVA, et pour les ménages, pour les citoyennes et les citoyens. Donc, s'il y a une réduction des taux, est-ce que ça veut dire aussi que moins de taux, ça peut aussi se traduire par un renchérissement de certains produits, ce qui était à 7% par exemple, pourrait passer à 10%, et ce qui était à 14% pourrait être passé à 20% en termes de pourcentage TVA. C'est tout le débat dans tous les pays qui ont opéré des réformes au début de leur TVA, je pense notamment à la France, tout le débat qu'il y a entre l'État au sens large et les opérateurs privés. C'est-à-dire, prenons un exemple, un produit qui valait 120, qui vaut toujours 120. Avant, s'il y avait une TVA à 20% dessus, il y a 100 de chiffre d'affaires pour l'entreprise, il y a 20 pour l'État, pour simplifier, lorsqu'on vend. Si aujourd'hui la TVA passe à 7, je prends un exemple dans l'autre sens, est-ce que l'entreprise va voir son chiffre d'affaires augmenter de 100 à 113 pour maintenir le prix? Ou bien est-ce que le prix va baisser de manière à maintenir un chiffre d'affaires à 100 ou à 101 ou à 102 et que la TVA pour l'État soit de 7? Si on n'est pas clair, très terre à terre, sur qui fait quoi et quel est l'impact final sur le consommateur, et là j'entends entre ministère et
patronat et entreprise, je pense qu'on va rester dans un no man's land, dans un non-dit, et il y aura beaucoup de loupés dans la traduction. Je pense qu'on doit être très terre-à-terre. Si l'État décide de baisser certaines TVA, quel est l'impact concret sur le prix de vente TTC? Et donc, quel est l'impact concret sur les ménages? Allez, dans le détail du détail. C'est pas simplement de rester macro, il va falloir aller micro pour la réforme de la TVA quand, à venir. Quand je vais faire mes courses et j'achète des produits du détail, je paie de la TVA. Vu que ça m'impacte en tant que consommateur de manière très détaillée, bah, c'est typiquement le type de débat qui ne passe pas au-dessus de la tête du commun des mortels. La TVA, c'est de l'argent en plus ou en moins dans le portefeuille des ménages. Et pour ce faire, je pense que c'est un débat national qu'on doit avoir. Et le ministère doit être très clair, et ils l'ont été, sur quid des prix finaux. Est-ce qu'on va baisser la TVA pour que le chiffre d'affaires augmente et que le prix de vente demeure le même? Est-ce qu'on va augmenter la TVA et que ce soit répercuté à 100% sur le consommateur final? Il faut qu'il y ait un débat, c'est un débat très sain pour éviter des mauvaises surprises. Et en tout cas, c'est un débat qui devrait en tout cas être ouvert dans les prochaines semaines et les prochains mois, et qu'on a commencé à ouvrir avec vous. Hicham Metzela Alaoui, et je vous en remercie en tout cas pour cet éclairage analytique de rentrée économique avec ces différents enjeux de possible retour de l'inflation qui pourrait être redevenir malheureusement galopante suite à la décision donc des principaux pays producteurs exportateurs de pétrole de réduire leur production. Et donc de réduire leur exportation, l'impact aussi entreprise de la hausse du SMIC. Et puis ces prévisions de projet de loi de finances, c'est un exercice qu'on fait annuellement, c'est un peu comme c'est ceux qui font un petit footing. Mais ce qui serait souhaitable, c'est de faire un petit retour en arrière et de voir toutes ces lettres, tous ces projets de loi de finances qui ont été menés jusqu'à présent. Et comment, où est-ce qu'elles ont démarré et surtout comment elles se sont achevées. Et l'atterrissage aussi, parce qu'on ne peut pas faire toujours le même exercice, le faire pour le faire, juste pour la forme. Oui, et ça fait partie de la culture économique, cette logique de suivi, de follow-up, parce qu'on a tendance à beaucoup s'enflammer, parce qu'on parle des lois de finances, ça va faire la une de tous les quotidiens économiques. Mais quand il s'agit de critiquer, ou juste d'analyser, au sens positif ou négatif, 6 mois plus tard, il n'y a plus grand monde. Et ça, quelque part, c'est dérangeant. Le début d'un renouveau d'une conscience économique, pas politique, bah, ça passe par là. J'invite certains quotidiens avisés comme le vôtre à faire un bilan d'étape, projet de loi de finances. On nous a promis tant, on y est 6 mois plus tard. Où est-ce qu'on en est et pourquoi on en est là? Ça, c'est un exercice qui permettra pour moi d'accroître la sensibilité économique de mes concitoyens. Mais le message, je pense qu'il est passé. Merci en tout cas à vous. Une fois plus, Hicham Metzela Alaoui, je rappelle, CEO DG de ELER Hermès Sakmar Alliance Trade. Plaisir. Pour être le plus complet aussi de spécialiste, on va dire, leader, co-leader, je ne sais pas, de l'assurance. Leader, je vous laisserai le dire, de l'assurance crédit entreprise. Merci infiniment à vous et à très bientôt. Merci Rachid.